Oula, barre-toi! Merde! Est-ce qu'on a un médoc? Ah! Les gars sont trop forts, ils ont réussi à l'avoir. La tête! Barre-toi! Merde! If you want easy, you pick the wrong side. Nous voilà dans Warface. Comme vous avez pu le voir, c'est un jeu de tir à la première personne qui se joue exclusivement sur navigateur web, via l'interface GeForce. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi le principe de GeForce. Donc, on va revenir ici. Est-ce que je peux quitter? Normalement, oui. Attendez. Qu'est-ce qu'il veut me faire faire là? Laisse-moi tranquille. Attendez. Menu. Oh, on va fermer ça. Voilà. Voilà. Ok. GeForce. Alors, c'est quoi GeForce? Imaginez Steam plus Facebook. Ok, voilà, donc c'est ce que les gars de Crytek, donc comme vous le voyez ici, sont ceux qui ont déjà offert Crysis et également le moteur de jeu CryEngine, qui ont pensé à faire quelque chose quelque chose de convivial en utilisant le principe du cloud. Alors c'est une technologie qui permet en fait de jouer à un jeu vidéo sans avoir besoin de télécharger quoi que ce soit, hormis le plugin, d'accord? Par exemple, pour GeForce, il faut le plugin pour Chrome, ou alors pour votre navigateur, disons, pour pouvoir afficher ça, d'accord? Ouais, à la différence des autres, par exemple, dans Steam, il faut nécessairement télécharger le jeu hein, sur votre ordinateur. Alors que ceux qui n'ont pas assez de place, ou alors qui ne veulent pas trop se tracasser la tête, peuvent venir plus tard, lorsque GeForce sera ouvert à tout le monde, pouvoir jouer à Warface, qui sera le premier jeu, en fait, de Crytek, utilisant cette technologie-là, et également cette interface de jeu. Et ensuite, ils vont sûrement rajouter d'autres choses. Hein. Je peux vous montrer ça rapidement, de quoi ça a l'air. Donc, un peu la partie Facebook, c'est cela. Donc, vous pouvez raconter votre vie ici, puis afficher. Voilà, envoyer ça à deux personnes, d'accord? Ça peut être vos amis, ça peut être vos collègues, votre famille, etc. Tous ceux qui partagent, bien entendu, la même interface. Oui, des trucs comme ça. Ça sent les notifications. Par rapport à vos activités, vous pouvez voir, je suis connecté à Warface, le serveur nord-américain, il y a à peu près une heure, là également, il y a deux heures, etc., etc. Donc voilà, c'est ce qui se passe vraiment comme dans Facebook, quoi. Ok? Donc c'est pour ça que ce jeu est estampillé jeu social de coopération. Voilà, ça, coopération c'est au niveau du jeu en lui-même, et social c'est pour le reste, il y a l'interface. Ok? Donc voilà comment ça se passe à ce niveau-là. Alors, regardez, c'est les autres personnes qui ont posté des messages et tout. Le plus souvent, c'est par rapport à Warface. Ou autre chose, hein. Vraiment, c'est qu'ils veulent apporter de nouveau, on va dire, dans le monde du jeu vidéo. Voilà. Donc, nous, on va aller directement à Warface parce que c'est le propos de cette vidéo. Et donc, on va ici. On va faire Play Warface. Ici, c'est lorsque vous voulez inviter d'autres personnes. Comme ça, vous pourrez participer à une session de jeu. Les serveurs ont des emplacements de 8 personnes, comme vous pouvez voir. Un 8 joueurs. Mais les groupes sont jusqu'à 5, donc je sais pas pourquoi 8. Autant, pourquoi ne pas faire 5? De toute façon, on pouvait pas aller à 8 dans un groupe, quoi. Donc, à part peut-être pour le PVP. Et encore, il faut voir ça, d'accord? J'ai pas testé ce PVP pour l'instant, parce que vous savez que je suis très pourri dans ce genre de jeu-là. Et de me faire casser la gueule. Bon, c'est vrai. Vu que je sais qu'est-ce qui va arriver, pourquoi avoir peur. Je sais pas, j'ai pas testé. Par contre, j'ai plutôt testé le PvE parce que c'est ce qui est censé donner un peu plus de variantes, d'accord, des diversités par rapport à ce que vous connaissez déjà. Ok, parce que par exemple dans Blacklight Retribution, il n'y a pas de PvE. C'est un jeu de tir en ligne que je prends comme référence parce qu'il est bien foutu. Il faut l'avouer. Il y a aussi également, comment ça s'appelle déjà? Il y a un autre jeu que je dois aussi également vous présenter dans Passive Massif. J'ai oublié le terme, j'ai oublié le nom, désolé, c'est pas grave. Alors, Warface, voilà de quoi ça a l'air. Donc, c'est utilisé le moteur CryEngine, bien sûr. Et comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure, ben, comme vous avez pu le voir dans l'intro, c'est bien rendu. Le petit bémol, d'accord, par rapport à cette interface de GeForce, c'est qu'il faut avoir une bonne connexion. Si vous avez une connexion de constipé, ça va être difficile pour vous, parce que vu que vous ne installez rien dans votre ordinateur, donc vous allez devoir télécharger toutes les données dont a besoin le jeu pour pouvoir interagir avec vous.
OK, donc vous allez le faire avec à vif quoi, OK? Et là, il faut avoir une bonne connexion et puis une bonne carte mémoire, hein, enfin une bonne mémoire vive. Il faut pouvoir bien rouler ça sans trop de soucis. Sinon ben oubliez Warface. De ce que j'ai pu voir, il n'y a pas de version client, OK? Bah c'est justement, c'est le jeu qui sera la vitrine de cette interface GeForce ça. Donc ils vont pas faire en sorte de que les joueurs puissent avoir un client pour pouvoir y jouer. OK. Alors donc au niveau, qu'est-ce qu'on peut regarder ici? Donc on va regarder le menu pour voir. Donc il y a ça et ça, c'est la même chose à peu près. OK, attends. Clic. Voilà. Donc on va la voir boutique, shop. Donc rien de nouveau par rapport à ce que vous connaissez déjà au niveau des jeux de tir en ligne. Ok, donc il y a boutique pour acheter l'équipement, les armes, les casques et tout le reste. Vous pouvez le faire de deux manières, soit avec l'argent que vous gagnez dans le jeu, lors de l'accomplissement des missions, de coopération, soit avec le vrai argent, donc via leur monnaie qui s'appelle GeForce Credits, okay, les crédits GeForce, qu'il faut acheter via GeForce et ensuite là vous avez les sous. Là je n'ai pas acheté, c'est plutôt, vu que c'est la bêta fermée, donc forcément, on nous en donne pour pouvoir tester justement la boutique, ok. Donc là, rien de spécial avec le VIP. Vous pouvez également passer en mode VIP. Ce qui vous permet, par exemple, d'avoir des boosts en XP. Donc, c'est ce que vous achetez les packs. Et c'est, bien entendu, utilisable, quel que soit le rôle que vous avez joué, d'accord? Donc, soit... on va dire... Il faudrait vraiment que je regarde c'est quoi les termes en français des rôles dans l'armée, en fait. Hein? Okay. Et si on a le médic, l'ingénieur, le sniper... comment on pourrait appeler ça en français? On garde sniper, oui. Et celui-là. Ça, c'est l'assaut, bien le rifleman. Donc, il utilise un fusil d'assaut. Mais... après, je sais pas comment... C'est quoi le terme... C'est quoi les rangs au niveau militaire, hein? Donc, vous m'excuserez pour ça. Ça, c'est au niveau de l'équipement, enfin de la tenue. Donc, à vous de voir. Donc, c'est comme ça que ça se passe ici, pour la boutique. Ensuite, on va revenir. Donc, vous avez le mode versus... Alors c'est le PVP classique avec le mode Tif Deathmatch. Ou alors le mode il faut planter une bombe, je sais plus c'est quoi le terme. Je sais qu'il y a domination, c'est plutôt pour récupérer des positions. Vous avez bien entendu match à mort par équipe. Et l'autre, celui-là, je sais pas c'est quoi le terme en français du mode. J'ai oublié pourtant, la semaine dernière, le week-end dernier j'ai regardé des compétitions de Call of Duty sur Twitch. Il y avait un mode comme ça, justement, les gars. C'est quoi, c'était Millennium contre je sais plus qui, là. Non, c'était pas Millennium. C'était plutôt des Européens, là, des Russes. Et des Norvégiens, je pense. C'était assez intéressant. Ok, donc voilà. Mais bon, en tout cas, vous connaissez ce mode, hein. Il faut planter une bombe, etc. Il faut empêcher que les terroristes le font. Ou alors qu'il faut absolument le faire avant qu'on vous dissémine. Ok? Voilà. Donc, rien de spécial ici. Sinon, il y a des guerres de clans. Mais je suis pas dans les clans. Donc, je pense que c'est pas activable ici pour moi. Ou alors, c'est une. Carrément pas activable encore à ce niveau de développement du jeu. On va revenir. Ensuite, on va arriver au co-op. Donc, le co-op, ça qui m'intéresse, c'est ça que vous avez vu au début. Donc, au départ, quand vous commencez, d'abord le mode entraînement. Une fois que vous avez fini, là, vous déverrouillez les missions quotidiennes. D'accord? Et ensuite, une fois que vous avez fini ça une fois, complétez cette mission-là une fois, et bien là, on vous déverrouille le double reward qui vous permet, qui double en fait vos récompenses. Et là, c'est un peu plus difficile, bien entendu. Et c'est ce que là, nous allons voir dans quelques instants. Ok, donc voilà les trois modes. Ouais, c'est fait parce que c'est la vidéo du début là, donc on l'a raté. C'est pour ça que bon, c'est resté fait. Donc je peux la refaire pour pouvoir la réussir et gagner ma récompense. D'accord. Donc voilà les trois modes pour l'instant qu'il y a au niveau de la coop. C'est un peu léger, j'avoue. Mais j'espère qu'ils vont varier les missions. Mais sinon, pour l'instant, c'est bêta. À l'heure où vous regardez ça, la session... Enfin, c'est quoi? Je pense que c'était la deuxième ou troisième session de bêta. A pris fin le mercredi dernier. Et ils vont en faire une autre, probablement, dans quelques semaines. Le temps de faire les changements par rapport à nos avis et puis nos critiques du jeu. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? On a regardé la boutique, les clans. Bon, j'en ai pas. Sinon, il y en a d'autres, vous pouvez essayer de le rejoindre, je pense. Non, on peut juste en créer. Non, je peux en créer un, et puis ça coûte 2 500 $. Ça, c'est facile à avoir l'argent, donc pas de souci à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, c'est DOS. 50 membres, oh, ils sont nombreux. Alicel, Scorpions.
Ah, ok, donc c'est tout. C'est à peu près tout. C'est un peu léger quand même, hein, par rapport à ce qu'on connaît déjà. Mais on va voir comment ils vont faire évoluer les choses parce qu'ils sont pas des. Ils sont pas des noobs à ce niveau-là, parce qu'il y a quand même Crysis qui est un FPS, même si le multiplayer n'est pas aussi intéressant, je dirais, aussi explosif que le jeu solo de Crysis. Mais s'ils connaissent quoi, alors qu'on va voir ce que ça donne dans la version finale. Ok, donc je pense que c'est à peu près tout. Sinon, on va avoir la liste de vos amis pour les inviter et ainsi participer à ces missions-là. Et puis voici les options. Et voilà, donc c'est tout. Allez, donc on va partir pour une session. Oh, non, ça c'est pour quitter. On va faire une petite session de coop. Et cette mission-ci, Double Reward, en fait, il vous faut. Ouais, il faut protéger votre véhicule et tuer, enfin, et détruire toutes les. Tous les matériels de communication de vos adversaires, qui sont des PNJ, bien sûr. Okay. Je pense que ça se passe en trois étapes, donc il faut vraiment le faire. Donc c'est ce qu'on va faire, et puis c'est bon. Alors là, j'ai pris une mission en cours, je pense qu'ils sont à la deuxième partie, mais c'est pas grave. Et il y a beaucoup de medics, une somme de tirailleurs, on va dire. Ok, donc j'essaie d'offrir. Est-ce qu'ils sont? Oula, ok, d'accord. Vraiment, on doit protéger un convoi. Faire en sorte que. Oh. Ah, c'est un sniper ça. Merde. Et attention. Non, c'est pas ça. Ah, damn it. Ça commence bien. Non, non, en fait, c'est trompé de touche. J'ai appuyé le C parce que, en fait, le C a été changé. C'est pour pouvoir faire la modification de votre arme à la volée. En fait, je voulais m'accroupir. Où est-ce qu'il est? Faut qu'on monte. Ah, il est là-bas. Nice. Bien joué. Ok. Ça doit être correct. Et là, ça va chauffer. C'est comme si on était à une espèce de hors-bord sur un des fleuves de Saigon, un truc comme ça, quoi. Vietnam, tout et tout. Et merde. Bon, moi, je suis à ce côté. Merde. Merde. Où est-ce qu'il est? Il est où ce sniper? Damn! Elle comprend pourquoi il y a 3 médocs dans 3 médics quoi. Oh. Aïe, ça va être chaud. Damn! Ah, ils sont bien cachés, sniper. En fait, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend chacun un côté. Ouh, il a pris. Je sais pas pourquoi il me reste pas. Ah, il est trop tard, je pense. Non, il peut encore. Mais, oula. Ah, tout le monde est mort? Non, il reste un. Un punker. Oh, oh. Putain, comment on fait déjà pour parler? Ah, j'ai oublié. C'est pas grave. Ok, c'est bon. Oh, mais coupe-toi! Ah! Déjà? Merde. Ok, coupe-toi. Voilà. Ouais, il faut bouger tout le temps, quoi. Il est où? Ah, il est là. Non! Aïe, merde! J'ai pris une grenade dans la gueule! C'est un carnage! Damn! Ah. Ok, on peut faire space. Non, ça marche pas.
Ok, en fait, tu peux utiliser l'argent pour pouvoir revenir à la vie. Mais je pense que c'est l'argent de la boutique ou un truc comme ça. Damn. En fait, faut pas venir faire cette mission là en étant noob. Hein. Pour moi, des armes de... assez puissants parce que... carnage. Est-ce qu'il va y arriver? Encore au moins 300 mètres, je pense que c'est bon. Ça devrait être bon, on va être réanimé. Et donc, 3, 2, 1, voilà. Bon, faut se courber. Mais merde! 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 Où est-ce qu'ils sont, ces Vietnamiens là? Ah. Merde! Bouge, 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 bouge! Ah. Un petit dans le tas, où est-ce qu'ils sont? Merde! Ah, ok! Mais comme toi, reste comme ça! Ah. C'est... oh merde! Waouh! Quel sniper de malade! En fait, ce qu'il faut faire, c'est rester vraiment entre les caisses. Et encore. Et oh, j'aurais pu faire espace. Oh, désolé. Pas grave. Damn. Moi, je suis à moins 100, quoi. J'ai encore tué personne. Alors, voilà pourquoi il y a trois... ah, il a changé. Ok. Aïe. Le médoc est mort. Ah non, il est revenu. Alors, on est spectateur, comme ça vous voyez un peu mieux la scène. Un zoom arrière. Non, pas grand chose. Ouais, on va changer comme ça. Voilà, ça devrait être correct. En tout cas, j'ai pas beaucoup aidé mon équipe. Hein. Enfin, pas beaucoup. J'ai quasiment... j'ai pas aidé. Force de mourir. Oula, il est mort. Ok. On va essayer à le... ouais, c'est bon. Il a été réanimé. Ok. Comme toi. Lance! Courbe-toi! Ouais. Aïe! Ouais! Espace! Bye! Yeah! C'est bon? Ok. Coûte cher, mais c'est pas grave. Oh merde! Reste pas là! Reste pas là! Voilà! Merde! Ça n'est pas là, ces gars! Bon! Oh merde! Qui? Il est où? Où est ce putain de sniper hein? Espace. Ok. Oh, on m'a raise, ok. Merde. Varia. Oh. Oh, ils ont bousillé les moteurs. Non, il faut qu'on descende à pied. C'est ça? Ouais, je pense, ouais. Ok, go, go, go. Oh merde! Merde! Oh, oh, est-ce qu'il est? Merde! Oh, t'es down! David, 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 David! Ah, il est en face même! Ok, espace! Oui, oui, vas-y, vas-y! Oh, il est bien résistant lui! Oh, c'est un bandit! Ouais!
me doc, merci. Alors, je vais voir qu'il manque de munitions là. Moi. Lui, voilà. Lui aussi, bon, c'est pas grave. Bon, ouais, le point, ça va, checkpoint. On va aller prendre notre hélicoptère. Je ferai un mauvais soldat, quoi. Ah! Oh merde! Passe, yes. Oh merde, il est trop rapide. C'est what the fuck, man. Ouais, c'est vrai que canoncier. Ok. Ils sont combien? Deux de down. Est-ce qu'ils sont? Je crois qu'ils ont, ils ont avancé un peu trop vite. Je vais vérifier que mes gars ont assez de munitions. Oh, il y a le boss. Y'a le boss. On va voir ça. Là, c'est le grenade. Tan tan tan. La musique est pas mal. Moins cher, de toute façon. Ok, comme vous avez pu voir dans la vidéo d'intro, nous également, il faut le cibler. Oh, il y a un qui est down. Non. Reste courbé, voilà. Ça, c'est... Comme toi. Voilà. Ça va aller. Voilà, il est de dos. Là, c'est bon. On se cache. Non. Là, je vise bien. Oh, c'est bon, il est en train de charger. Ah, j'ai plus de munitions. Ok, munitions. C'est bon, j'en devrais avoir assez. Est-ce que lui en a assez, lui? Ouais, il est correct. Le dos, là, voilà, ce truc. Non, ça touche pas. Il faut au moins que ce soit par moi en face, quoi. Ok, donc il dit qu'en fait, si tu te caches de lui, il te suivra pas. Donc tu peux aller le tente, on va dire. Mais dès que tu te caches... Ok. Il faut vraiment que j'adapte les raccourcis clavier comme dans les FPS que je connais, hein, parce que... Plus de mission déjà? Merde. Heureusement que je suis... mitrailleur. Oh, waouh! Ouais, en fait, il faut de dos, non, qui de là, qui de là! Ouais, quand c'est descendu? Est-ce qu'il me suit? Voilà, c'est bon! Attends. Non. Après. C'est après. Ah, il faut qu'il soit bien. Tourne-toi encore! Non, ça marche pas. Voilà, ici. Aïe, trop tard. En fait, je pense que c'est la partie blanche qu'on voit dans le... Voilà, oh, trop tard. Ah, oh, il y a un qui a besoin de munitions. Il est mort. Je sais pas comment lui donner ça, là. Voilà. Oh merde! Merde, il y a des gars derrière! David! Ok.
Voilà. Ah, ok, c'est bon, tout le monde est correct. Où est-ce qu'il est? Ok. Oh merde, il y a un sniper! Oh merde, j'ai plus d'ammo. J'ai plus de munitions. Voilà. Oh, il est où? Merde! Ah! Foutu sniper. même en PvE, ils sont des voyous. Mon premier kill. Oh. Ok. Ouais, je pense qu'on va changer des petites. On va changer des petits trucs, comme par exemple pour se courber. Je pense qu'on va utiliser ça ici. Non, ici. Bon. Et voilà. C'est fini. Oh, sors de là. Attaque les petits. Voilà. Oh merde, mauvais moment. Aïe. Faut se déplacer tout le temps en fait. Non, c'est un